Bonjour, bienvenue à la curiosité de la semaine. Aujourd'hui, une curiosité, si j'ose dire, bucolique, dans le quartier Bastille, Bastille-Gare de Lyon. La rue Crémieux, peut-être que vous ne la connaissez pas, franchement, vous allez l'adorer. Cette rue, déjà un petit peu son histoire, elle a été imaginée en 1857, percée d'un seul bloc, puis inaugurée en 1865, c'était d'abord la rue Millau, puis la rue Crémieux en 1897. Adolphe Crémieux était un homme politique français et avait le droit non à sa rue. Mais en fait, toute l'originalité de cette rue, vous allez voir, c'est 35 pavillons avec de la brique. Et franchement, c'est complètement dépaysant et vraiment insolite. Et l'endroit, je dirais, le plus insolite est là où se situe au niveau du numéro 8, puisque vous pouvez voir une petite plaque juste derrière moi qui date de la crue de 1910. En le 28 et 29 janvier 1910, l'eau est montée jusqu'à 1,75 m, donc au niveau de la petite plaque de faïence. Voilà, donc dans cette rue, chaque pavillon dispose maximum de 2 étages et un sous-sol. On pouvait louer ce pavillon pour maximum 700 francs quand ça a été ouvert. Et c'est seulement depuis 1993 que la rue est complètement pavée et que plusieurs pavillons ont été rafraîchis. Franchement, pour une petite sortie le week-end, on vous conseille vraiment